c'est tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Batman Arkham Knight sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés après avoir désamorcé une bombe déposée par le Arkham Knight, pardon. Nous allons tout de suite continuer, donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Alfred, la piste du chevalier d'Arkham mène à Miagany Island. Abaissez le Mercy Bridge. Impossible, monsieur. C'est bloqué. La milice a dû réussir à s'infiltrer dans le système de contrôle des transports. Trouvez-moi leur point d'accès. Bien. Si je suis le trafic du réseau, il semblerait que tout soit redirigé vers la gare de Grande Avenue. Alors c'est forcément là-bas. Je vais y aller à pied et prendre le contrôle de leur point d'accès. Je vous contacterai quand vous pourrez abaisser le pont. Ok. Regarde, monsieur, les drones et les troupes de la milice quadrillent Miagany Island. Attendez une seconde. Et me revoici, désolé pour cette petite ellipse. Et on va tout de suite continuer. J'avais mis un point, on va le retirer. Donc je voulais faire des choses les quêtes annexes, mais bon, je pense que je vais attendre d'avoir fini l'aventure principale avant. Ça nous aidera, je pense. Ça m'aidera à le faire plus facilement. Donc j'espère que vous allez bien, goûter la forme, parce que moi oui. Hein. Toujours des lags par contre, ça c'est normal. Pas vraiment le choix. Allons-y, let's go! Central, on a plusieurs tanks sur Miagany Island. Terminé. La milice du chevalier d'Arkham a envahi la gare. Je dois les neutraliser et trouver le point d'accès qu'ils utilisent pour pirater le réseau de transport. Une caméra volante, avec un taser. Cool, on en aura besoin. Tu crois qu'il veut venir? Forcément. Le chevalier d'Arkham vient d'enlever son ami. Avec le drone, il nous prendra pas par surprise. Y a pas intérêt. Si Batman accède au terminal, je sais pas ce que l'épouvantail et le chevalier vont nous faire. Qu'est-ce qui s'est passé? L'usine chimique a sauté, mais je vois pas de nuages de toxines de terreur. Batman est arrivé. Il s'est pointé, a massacré trois de nos unités, pratiquement capturé l'épouvantail et arrêté l'explosion. La vache. Alors il est aussi bon que le chevalier d'Arkham le dit. Oui. Alors... Donc c'est lui qui contrôle le drone. On va s'en occuper. Ok. Alors, pour les autres. Voilà ce que c'était. Les hommes du chevalier d'Arkham sont neutralisés. Je peux utiliser leur terminal relais pour abaisser les ponts. Allez. Oh. C'est pas Barbara de faire ça? Oh non! Avec tout ce remue-ménage, j'avais oublié. Tu ne crois tout de même pas que ce vieux Jim passera l'éponge si tu la sauves? Il est rancunier, Batou. Tu peux me croire. Alfred. J'ai réactivé les commandes du pont. Formidable. Je relance immédiatement le réseau. Laisse tomber les montagnes. Il est temps d'attaquer ton vrai Batman. Oh seigneur, est-ce bien qui je crois? Nigma. Contactez-moi quand vous serez prêt avec le pont.
Petite énigme. Pourquoi Batman visite un orphelinat abandonné? Eh, dis mon chou, tu me confonds sûrement avec Robin. Monsieur le Barbaraki et moi, on n'est pas si proches. Oh, 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 je sais! C'est à cause de ce qui peut arriver à son ami Pupiline s'il n'arrive pas à venir ici. Choqué, chevalier noir, et étonné? N'y attendez pas! C'est parce que tu n'es pas de taille contre moi, Edouard Nigma, l'homme mystère. Ton supérieur intellectuel. Pensais-tu que je jouirais notre dernière rencontre, chevalier noir? Tu vas m'humilier! Cette fois, je sais. C'est absolument impossible, tu ne peux pas. J'ai dit je me moquerai des tentatives de résoudre mes casse-têtes. Je poserai triomphant sur ce canard tiède. Et alors que toute lueur s'estompera dans ton petit esprit maîtrisé, la leçon que je t'aurai infligée sera ta dernière pensée. Viens à l'orphelinat, détective. Où est-moi? Où est-moi? Ok. Bah allons-y, hein. Le chevalier d'Arkham, ça ne dit rien. Et pourtant, j'étais à Arkham City. Moi, je pensais que le chevalier d'Arkham, c'était... C'était le Joker, mais finalement, non. Ah, flûte, fallait pas que je l'élimine, c'est vrai. C'est pas grave. Allez. Voyons voir si tout est verrouillé déjà. Oui, tout est verrouillé, donc on doit s'approcher de Catwoman. Batman, ça a intérêt d'être toi, et tu as plutôt intérêt d'être désolé. On reste calme. Est-ce que tu vas bien? À merveille. Quelle petite fille n'a jamais rêvé de servir d'appât pour son grand gaillard de chevalier noir? On s'en va. Toi peut-être, mais pas moi. Ah, enfin tous les participants sont là. Ce soir, il y aura des énigmes à gogo. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter mes chers acolytes. Ah, j'en ai eu assez de compter sur ce que les désespérants barbons de Gotham avaient à offrir en termes de main-d'œuvre décérébrée. Pourquoi s'encombrer d'humains quand on peut concevoir, programmer, construire et reproduire bien mieux soi-même? Ah oui, le duo. Voilà. Je suis sûr que tu as apprécié, détective. Ce sera le meilleur moment de ta vie, tu crois. Vois-tu, chevalier, cette facétieuse papée s'est vue offrir un collier flambant neuf de mon cru. À chaque défi réussi, tu empoches une petite clé. Récupère toutes les clés et c'est la liberté. Force si tu l'oses et le chaton explose. Ha 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 ha!
Mais ne désespère pas, chevalier noir. Tu as déjà réussi un défi. Voyons dans combien de temps tu vas perdre ta longueur d'avance, trébucher et tomber lamentablement. Monte dans ton bolide supersonique et fonce à Chinatown, détective. Ton deuxième test t'attend là-bas. Chinatown t'attend là-bas. Ok. Je reviens vite. Tu reviens tout de suite, oui. Catwoman. Selina Kyle. Ouais. Gars comme Eddie me fichait la paix avant que je commence à être gentille avec toi. Ne me fais pas attendre. Maître Bruce, j'ai repris le contrôle des ponts. Très bien. Je vous contacte dès que je suis en position à Mercy Bridge. Alors là, Batman, mon vieux, en voilà un sacré dilemme. Je dois retourner au pont pour amener la Batmobile sur Miagani Island. Alors. C'est ça. Le pont, on s'en occupera après. On va plutôt s'occuper de ça en premier. À ta place, j'irai voir le défi concocté par Eddie. Je suis sûr qu'il s'est donné beaucoup de mal. Et puis, tu ne peux pas sauver entièrement Barbara. Je l'ai déjà tué à moitié. Ok. Jusque là-bas. Quoi que t'en penses, l'épouvantail est taré. Et on n'aurait pas dû accepter ce boulot. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es perturbé parce qu'on opère sur le sol américain? T'as peur de devoir affronter Batman? Ou t'as juste peur de l'épouvantail? Je suis prêt pour Batman. Là, il reste une bombe à désamorcer, il faut que je la trouve. En niveau de menace. Encore une course. Ça va, j'ai appris à mieux contrôler le véhicule. Alors, chevalier noir, tu en veux encore? Belle épreuve d'humilité, non? De pouvoir porter un vrai aperçu du bon génie. La prise de conscience subite de ta médiocrité, de la criante inconséquence, de tes actions, de tes épreuves sont mes plus beaux chefs-d'œuvre, détective. Quand je t'aurai vaincu, elles deviendront le symbole de mon génie. Des hôtels dressés au culte de ta stupidité. Des milliers d'écoliers viendront s'entasser dans cet ascenseur pour avoir le privilège de contempler le lieu où le chevalier noir a été vaincu. Ils n'y comprendront rien, bien sûr, mais ils viendront. Allez. C'est tout? Je crois que c'était une course, moi. Tu sais quoi, maman? Bien réfléchi. Je ne crois pas que tu vas réussir à gagner. Un flûte. Ok. Alors.
qu'est-ce qui se passe? Comment je pourrais régler ce problème? Est-il nécessaire de te rappeler que la nouvelle Catwoman est dangereuse? Non merci, je le sais. Lutte. Donc pour l'alimenter, c'est là-haut. Est-ce que je peux sortir du véhicule? Ah, oh, je peux sortir du véhicule, d'accord. On dirait que je suis vraiment obligé de venir ici avec la voiture. Ouais, d'accord. C'est que de la voiture, cette ligne. Ça c'est simple. Le véhicule il reste là, moi je vais là-bas. J'ai pas vu ce bouton en fait. Je pourrais profiter du contrôle à distance de la batterie. Donc c'est quand même assez chaud, hein. Et je trouve que c'est surexploité en fait. La Batmobile a été surexploitée dans ce jeu. Il y en a beaucoup trop. C'est assez chiant pour tout vous dire. Ok. Pou pou pou. Comment ça, pourquoi il me disait d'utiliser en fait la télécommande? Voilà. Voilà. Et répondront son maître ou tenu sur les murs de l'orphelinat.
Ta mission est simple, détective. Tu dois indiquer à Catwoman la vitrine à ouvrir. Concentre-toi bien. Donc toutes ces clés me tueront, sauf une. Parfait. Je peux y arriver. Bonne chance, Catwoman. Vu l'intelligence limitée de Batman, tu risques fort d'en avoir besoin. Voilà. Très bien, Batman. Voyons si tu es aussi intelligent qu'on le dit. En voilà une. Tada! J'ai modifié deux chiffres sur le collier de Catwoman. En raison du précédent succès de Batman. J'aurais pu simplement régler le compteur sur 8, mais bon, ne me dis, comment résister? D'accord. Maintenant, Catwoman, tu peux fêter ta survie en informant Batman des formidables nouveautés qui l'attendent à l'orphelinat. Compte pas sur moi pour ça. Minou. Ça alors, Batman, une mystérieuse grande porte verte. Oui, nous voilà. Reviens alors, venez là, Batman, que je vous fasse entrer tout de suite. Ok. Ok, bah... On va remonter, on y va. Enfin, on veut déjà abaisser le pont. Je te félicite, chevalier noir. Tu devrais, je l'espère, commencer à prendre la mesure de la tâche qu'il te faudra accomplir, à réaliser l'ampleur du défi que je t'ai lancé. Mais peut-être pas. Peut-être que tu te sens en merde. Peut-être que cette première victoire t'emplisse de faux espoirs. Eh bien, soit. Laisse cet insupportable élan de suffisance de conduire jusqu'à l'orphelinat. Je t'attends. Ok. Donc pour le pont. Pour le pont. Comment ça info? Ok. Je me rends à Mercy Bridge pour retrouver la trace du véhicule du chevalier d'Arkham. Nos pensées vont toutes vers Mademoiselle Gordon, monsieur. Bonne chance. Allez, go. C'est Batman, il a un temps, bordel. Je sors de là. La Batmobile est vraiment mal optimisée en plus de ça. Alors que le gameplay est basé pratiquement sur ça, entre... C'est un peu dommage. Je suis au pont. Un instant, monsieur. Je dois vous prévenir, les forces de la milice sont présentes en grand nombre devant vous. C'est bien noté. J'ai pu accéder aux fichiers sur lesquels travaillait Mademoiselle Gordon avant son enlèvement, monsieur. Il semblerait qu'elle ait trouvé le point faible des drones. Un tir de canon Vulcain sur leur récepteur devrait suffire à les détruire. Merci, je sais, je suis au courant. Récepteur, c'est le truc bleu qui... Voilà. Chevalier d'Arkham, répondez. Défense percée, il se dirige vers Diagani Island. Pas maintenant, sergent. Installez des barrages. Bouclez tous les accès à l'île. On fera ça plus tard. Donc on va retourner y voir... notre cher Nigma. Je pense que ça va être la seule quête annexe que je ferai. Selina est toujours prisonnière de l'orphelinat. Nigma y a préparé quelque chose qui nous implique, elle et moi. Batmobile repéré à Kingston. Un rappeur en moi. On va déjà vider un peu les rues aussi. Il a eu un drone. Rattleur touché, il est encore d'aplomb. Batman a détruit un rattleur.
Ok. Allez. On va juste continuer encore un tout petit peu. Hein. Et ensuite. Ils attaquent la Batmobile. Je dois retourner là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? La Batmobile est pas attaquée du tout. Ah si. Un tout petit peu quoi. On va s'occuper d'eux. Tiens. Un trophée, c'est ça? Ah, ok, petite énigme. Ok, mais on s'en occupera plus tard. Quel genre de question ne peut être posée qu'après une mûre réflexion? Bonne question. Bon. Batarang. Ce que je voulais faire, c'est pas grave. Tada. Tu y es presque, Batman. Mais tu n'es pas. Tiens, tiens, on dirait que tu as gagné le droit de voir ton ami. Ton ami. Eh bien, il sera aussi surpris que moi quand tu sois allé si loin. Contente de te revoir. Eddie refusait de me montrer le petit jeu qui nous attend derrière cette porte tant que tu ne serais pas arrivé. Je vais te sortir de là. Excuse-moi, tu me trouves irritable? C'est peut-être lié au splendide collier que m'a offert Eddie. Tu l'as remarqué? Il est éclatant. Y aurait-il des tensions entre vous, par hasard? Vous devrez coopérer pour obtenir la clé cachée. Ah, oh, bordel. Oula, c'est glauque ici. J'en connais un qui a lu le Feng Shui pour les tueurs en série. Laissez-moi deviner. Ok. Oh, super.
Je suis doublement piégé. Comme si le collier ne suffisait pas. Vous n'avez pas le droit de vous en sortir sans l'aide de votre minou. Oh, regarde. Encore des amis faits maison, des... Pas toi autant que tu veux, Catwoman. Sache que je n'ai absolument aucun ami. Alors... 4, 5, 2... Ah. D'accord. 3, 1, 4, 5, 2. Bon, et bien voilà, nous sommes fixés. Vous n'êtes pas aussi stupide là que l'autre. 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4. Ok. Et voilà. Ça va prendre toute la nuit, c'est ça? Ok. Niveau supérieur. Supérieur. Que 3 points, donc là merci. Bon, c'était sympa. Au moins j'ai pu frapper quelque chose. Est-ce que tu tiens le coup? Ça va. Arrête de jouer les inquiets. Aide-moi plutôt à enlever ce truc. Allez. Je ne verrai pas Victoire Proto à votre place. Chevalier Noir, tu pourras trouver mon prochain délit sous Elliot Memorial Hospital. L'emplacement s'avérera très pratique quand on évaluera l'épuisement. D'accord. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons cette quête annexe. Et peut-être même de la quête principale, nous verrons bien. Depuis quand Catwoman est si charmante? Peut-être depuis que je vois à travers tes yeux. Oh, qu'est-ce que tu attends? Invite-la à dîner. Ah, dégueu. Oh, ne me dis pas que tu es encore torturé par Talia et Ghoul, quand même. Ça fait plusieurs mois. Même les vers qui ont mangé son cadavre l'ont sans doute oublié alors qu'il est. Donc oui, passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo.